Les Romains ne l'avaient pas prévu, ce sont des jeunes, presque rien que des jeunes, qui font revivre le vieux Lyon. Octobre 1962, l'un des plus grands événements du siècle, le Concile œcuménique Vatican II, le 21e Concile de l'Église catholique. L'École catholique des arts et métiers de Lyon vient de baptiser sa nouvelle promotion qui a pris le nom d'Alfred Nobel, qui par parenthèse était protestant. Les futurs ingénieurs de l'école ont ainsi voulu honorer les efforts de Nobel pour l'amélioration de la condition humaine. Nous voulons, a déclaré le major d'estime Monsieur Giraud, être des hommes de vérité, des constructeurs de la paix, des créateurs d'ordre et des promoteurs de justice. La cérémonie a eu lieu samedi au foyer de l'ECAM, montée de Saint-Barthélemy, à Lyon, en présence de frère Joseph, directeur de l'école, et de monsieur Nistrom, représentant de l'ambassade royale de Suède, et Larsen, représentant de celle de Norvège. Un fanion fut remis à la nouvelle promotion, et toutes les personnalités se penchèrent sur le livre d'or de l'école.
Happy birthday to you, happy birthday!
vous passez par Vaison-la-Romaine cette année, vous avez plus de chance d'entendre le chant des voix humaines que celui des cigales. C'est le révérend Martin Luther King à qui vient d'être attribué le prix Nobel de la paix pour 1964. Il a été à la tête des efforts déployés pour obtenir par la non-violence l'application aux Noirs des droits civiques. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. It's easy. Sont allés très vite et dès 23h, M. Mitterrand reconnaissait sa défaite. Charles de Gaulle, 12 868 661. Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. Cet été, certainement, ça sera assureur, mais ça ne tiendra pas longtemps.